L'un des éléments les plus importants aujourd'hui pour réussir, c'est d'avoir un très bon réseau. Juste même uniquement le réseau que vous allez construire ici, il y a trois façons d'avoir un bon réseau. C'est de créer votre réseau, c'est d'acheter un réseau ou intégrer un réseau. Ces arts d'événements vous permettent d'intégrer un réseau déjà créé. Ne partez pas sans enregistrer ou collecter plus de 100 contacts. Si vous venez dans un environnement, dans un endroit où vous partagez la même vision, même objectif avec toutes les personnes qui sont dans cette salle, mais partez avec toutes ces personnes-là et déjà vous commencez à bâtir votre réseau et 2024 sera votre année. Enfin, nous sommes arrivés à l'hôtel Bellecote. C'est ici que tout va se passer le 17 février 2024. La grande conférence, l'économie numérique comme solution pour le développement de l'Afrique. Comment sortir dans la pauvreté, peu importe votre coût social, peu importe d'où tu viens, on va vous donner vraiment les bagages qu'il vous faut pour vraiment changer votre vie. Et l'année dernière, on a reçu ici plus de 500 personnes. Cette année, on attend plus de 1000 personnes. Donc, il y a des gens qui vont quitter Ouagadougou, des gens qui vont quitter Bénin, des gens qui vont quitter partout. Ici, à Abidjan, il y a des gens qui vont quitter Boaké, Yamoussoukro. Donc, vous n'avez pas le droit de vous faire raconter cet événement le 17 février 2024. Allons-y. Là où tout va se passer ici, à l'hôtel Bellecote, je vais vous montrer. Là, vous avez à côté la quille, c'est-à-dire que c'est un espace où on pourra utiliser pour de temps en temps, si les gens veulent faire des entretiens, discuter et tout ça. Là, venez, venez. Voilà, on a un espace ici très grand, voilà, pour le poste des aînés et tout. En tout cas, voilà, viens. Ici. Donc c'est ici qu'on va faire pause café. Ok. Voilà, cet espace quoi. Ouais. Le panel, ce sera 5 personnes. Donc une table. Pas forcément une table. Si on peut avoir quelque chose qui peut leur permettre d'être un peu, pour que tout le monde peut leur voir. Parce que si je reste debout, les gens qui sont derrière peuvent me voir. Mais si tout le monde est assis, les gens qui sont devant, s'ils sont assis, et ils n'ont pas assis sur quelque chose de un peu... on ne va pas leur voir. S'ils sont des fauteuils, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir, bon, au milieu peut-être, un panel. On a 5 personnes sur un fauteuil et une petite stripe que quelqu'un qui est là en tant que modérateur qui pose des questions à des panélistes. Ça va être le matin. Disons 10h-12h30. Après ça, maintenant, l'après-midi, il y aura une formation. Ça, on n'a plus besoin des fauteuils, mais peut-être ceux qui sont là-bas, ils pourront continuer à rester. Donc, il y aura une formation. Oui, 4 pour les panélistes, oui. On aura besoin d'un espace où il y aura 4 fauteuils. Non, ils sont 5. Ouais, pour les panélistes. Donc, on a besoin ici 5 fauteuils. L'année dernière, il y avait une strate qu'on avait mis qui permettait les gens de monter. Si on pourrait avoir ça, on met les fauteuils sur ça. Je viens de visiter la salle de l'hôtel Bellecote qui peut prendre jusqu'à 400 personnes. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, de venir tôt pour avoir de la place. Il y aura ici un petit podium avec les panélistes le matin. Il y aura nos autorités invitées d'honneur aussi quelque part. Voilà. Comme on a l'habitude de le faire, où il y aura une pause déjeuner. Après cette pause déjeuner, 14h, 15h maintenant, il y aura une formation 100% pratique sur les métiers du web, comment faire de l'argent avec Internet. Donc ça, je m'engage à vous fournir énormément d'informations l'après-midi. Et je suis convaincu aussi, la matinée, vous allez avoir beaucoup d'informations avec nos experts, les panélistes qui vont donner leur point de vue, qui vont partager leur expérience sans tabou, qui sont venus dans beaucoup de pays différents, etc., pour partager leur expérience. Et ce qui est intéressant aussi, il y aura un moment de distribuer ce qu'on appelle des certificats de reconnaissance pour les grands entrepreneurs qui sont en train d'apporter leur pierre à l'édifice, qui sont en train de faire beaucoup de choses.
Et voilà, ce sera une journée inoubliable, comme on aime bien le dire. L'un des éléments les plus importants aujourd'hui pour réussir, c'est d'avoir un très bon réseau. Sans parler de la formation, uniquement le réseau que vous allez construire ici, et il y a trois façons d'avoir un bon réseau. C'est de créer votre réseau, c'est d'acheter un réseau ou intégrer un réseau. Ces arts d'événements vous permettent d'intégrer un réseau déjà créé. Voilà, venez, et moi je vous le dis hein, avec transparence, ne partez pas sans enregistrer ou collecter plus de 100 contacts. Voilà, là, si vous venez dans un environnement, dans un endroit où vous partagez la même vision, même objectif avec toutes les personnes qui sont dans cette salle, mais partez avec toutes ces personnes-là et déjà vous commencez à bâtir votre réseau et 2024 sera votre année. Donc on se donne rendez-vous ici, la semaine prochaine, hein, toute une journée de partage d'expériences, hein, de formation, de réseautage et ensuite tout le monde y gagne. Ça va prendre du temps, ce ne sera pas facile. Mais l'Afrique sera développée. Ça, je vous le garantis. J'ai profité aussi d'aller à l'hôtel Bellecote pour la préparation de notre événement. Donc, comme je vous l'avais dit, l'objectif, c'est de vous montrer tout notre séjour ici à Abidjan. Donc là, on était venus, voilà, ici à l'hôtel Bellecote pour voir la salle, hein, payer aussi. Tout ce qu'il faut payer, le déjeuner, la salle et tout ça, on a tout réglé donc avec l'équipe comptabilité et on a visité la salle et c'était les raisons de notre venue ici à l'hôtel Bellecote pour la préparation. Comme vous le savez, je vous avais montré toute ma séjour ici à Abidjan, mais l'objectif principal c'était la conférence. Donc le reste on va voir avec le reste, tout le reste de notre séjour, vous allez le vivre avec nous. Merci. C'est bon.